بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عز وجل نبغي حديث نمبر 602 mais نبغي un chapitre avant qui Imam al-Nawawi رحمة الله عليه في نوفا chapitre 70 dans lesquels il n'a pas fait une cite aucun hadith, mais seulement il fait une cause, bonnes affaires. Et chapitre-là, d'ailleurs, se cite même les longs, et vous trouvez dans certains livres, certains manoulama, je n'ai pas servi de cite, juste comme une indication, mais dans cite-là même, il y a beaucoup d'éléments, dans cite-là même, il est capable de faire un paragraphe. Il y a dans cite, les cite hadith, tout. Par exemple, Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, de ce livre, il y a cite, il y a hadith là-dedans. Donc, Lydia, dans chapitre 70, chapitre-là, ce titre, c'est « Babu fadlil ikhtilat bin nas ». Après qu'il nous fin guetté, chapitre précédent, 69, « Babu l'istihbab ou istihbab il'ouzla ». Recommandation pour faire « ouzla », ça veut dire pour « indimoun li retiali, li isoli ». Là, Lydia, le contraire, « fadl al-ikhtilat ». Vertu de « ikhtilat » veut dire « mélange avec dimoun ». Vivre avec dimoun dans la société, dans ben, les autres façons, comme on nous connaît, nous habitons vivre, à l'ikhtilat bin nas, wa huduri juma'ihim wa jama'atihim, et être présent dans juma', c'est pluriel de juma', ben, en anamas juma', avec en anamas les autres congrégations qui fait dans masjid et ben, les autres places, wa jama'atihim, et dans ben jama'at, donc dans ben place que ben jimoun réunis, par exemple, il y a une invitation, il y a un programme qui peut faire, il y a une place que Benjamin peut réunir pour un but social, pour une affaire positive, définitivement. Alors, Jimoun là, il vient aller, il y a une vertu là-dedans. Donc, l'islam recommande nous ça. Wa mashahid al-khayr. Mashahid al-khayr, c'est une place que il y a le bien qui peut passer là-bas. Par exemple, dans Masjid, il y a beaucoup d'activités dans Masjid, il y a un travail social qui peut faire, il y a une réunion famille qui peut faire, il y a un dîner, il y a tout ça, il y a fait là, il y a un mashahid al-khayr, il y a le bien qui sortit là-dedans. Il y a al-muwasat, il y a beaucoup d'échanges, il y a l'éducation islamique, il y a beaucoup de bon quelque chose qui passait. Wa majalis al-dhikr ma'ahum, et participe dans ban majalis al-dhikr. Majalis, c'est pluriel de majlis. C'est une place que Dimoun a cisé pour faire, pour causer. Donc, Majalis au Zikr, ça veut dire Ban Majlis côté Allah au Zikr. Ça, il y a énormément de vertu là-dedans. Alors, nous vous trouvez que chacun, dans un élément qui peut causer là, chacun, il y a sa vertu dans lui-même, chacun peut-être le mérite un chapitre dans lui-même. Alors, Imam al-Nawawi, il réunit tout ce élément-là pour montrer qu'il quantité est important pour faire Irtelat avec Ban Dimoun, pour mingul avec Ban Dimoun, pour joindre avec Ban Dimoun, pour vivre d'une façon collective pour vivre dans la société. Wa ayadati maridihim, et al visit ban malade, ça aussi nous fait trouver dans beaucoup de vertu. Wa huduri janaizihim, et présent, assister zot ban janaiz, c'est pluriel de janaza, ça veut dire quand il y a namaz janaza, bien assister. Wa muwasati muhtajihim, et il y a muwasat, nous y trouvons muwasat, c'est un chapitre là, lo ban muhtaj. Muhtaj, c'est Benjamin qui est dans le besoin. Alors, Benjamin qui est dans le besoin, nous devons aller donner l'attention, get un coup, qui sont là qui est dans le besoin, et montrer mouassat envers eux. Wa irshadi jahilihim. Ben jahil, ça veut dire Benjamin qui est ignorant, qui pas connaît, aller al faire irshad. Irshad veut dire, il est sorti dans le verbe arshada, qui veut dire guider. Là, c'est lui qui fait ça, il y a un mourshid. Donc, al guide Benjamin qui est jahil, qui pas connaît, al enseigne eux. Trouve ban jeune ou soit ban les autres dimoun qui pas connaît à le montrer aux autres ça pas bon ça bon à l'ancien ban dimoun faire l'éducation. Donc ça c'est un affaire extrêmement important, et pour qu'à faire ça faut des ou on a ban relation avec ban dimoun wa ghayri dhalika min masalihihim, et ban les autres affaires encore dans ban masalih. Masalih, c'est pluriel de maslaha, qui veut dire n'importe qui quelque chose qui amène la réforme, n'importe qui quelque chose qui corrige bonnes affaires, n'importe qui quelque chose qui amène le bien dans la société. Liman qadira ala al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Pour n'importe qui c'est là qui capable faire al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, ordonne le bien, wa an-nahyi 'anil munkar, et empêche le mal. Ça nous trouver
Et ça, c'est une affaire extrêmement importante. Donc, n'importe qui s'en là qui est capable de faire an-nahyu al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar li bizin fi'li. Sinon, conséquence pour bien grave, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous. Right? Si un djimoun, si ben djimoun pas pour faire ça, alors peut arriver un moment que Allah peut arrêter d'accepter djimoun je dois. Quand djimoun peut trouver le mal, peut passer devant eux, pas peut dire non rien. Quand djimoun peut trouver le bien, peut éliminer devant eux, pas peut dire non rien. Alors, cette situation, cette conséquence est bien, bien grave. Alors, pour celui qui est capable de faire ça, pour celui qui est capable de faire ça, il est bien fait ça. Wa qam'i nafsihi anil idha. Et un djimoun est capable de protéger lui-même, quand un djimoun est capable de protéger lui-même du mal. Alors, ce travail-là, l'amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, il demande beaucoup de ressources. Djimoun besoin de connaissances, djimoun besoin de qualité, djimoun besoin capable de faire ça. Djimoun besoin de possibilité de faire ça. Par exemple, un djimoun n'est pas capable d'ouvrir sur la bouche pour causer. Sans qu'il sache faire l'édito. Dans certains cas. Il n'est pas capable d'écrire un anien sans qu'il sache faire l'édito. Alors, il y a des gens, il n'est pas capable même dire un anien. Alors, à cause de ça, même ici, il mettait l'iman qadira, ala. Pour celui qui est capable de faire ça, wa qam'a nafsihi anil idha. Et pour celui qui est capable, quand il peut faire ça, il peut protéger lui-même du mal. S'il pouvait sur la bouche, s'il pouvait un problème, alors, vaut mieux les rester tranquille. Pour celui qui est capable de faire lui, il y a un djimoun qui peut jouer liberté d'expression. Les autres peuvent jouer liberté d'expression pour dire ben, insanité. Je peux pas dire lui. Mais qui fait, c'est lui qui peut propager le bien. Il n'est pas servi ça, liberté là, pour propager le bien, pour dire le bien. Donc, wa qama nafsihi anil idha, qui est un djimoun qui est capable de protéger même du mal. Wa sabara ala al-adha. Ou soit, même s'il peut arriver le mal. Alors, ça, la route. Ça simé al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, c'est simé ben prophète ça. Ordonne le bien, empêche le mal. Et ça simé là, il est rempli avec difficulté, il est rempli avec piquant. Quand un djimoun fait ça, faut pas lui attendre du bien en retour. Dis bien depuis Allah subhanahu wa ta'ala, mais dis bien depuis djimoun non. Faut pas même lui attendre que djimoun vous laisse tranquille. Non, il pour gagner difficulté. Comment man prophète il y a une difficulté, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a une difficulté. Alors, ça, idha là, ça, le mal là, il peut venir. Alors, wa sabara ala al-adha, un djimoun qui est capable de faire sabar l'eau là. Il peut donner le bien, il peut empêcher le mal, mais il peut bien faire sabar l'eau, ban, représailles qui peut venir. Alors, ça, c'était titre de Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Et il continue, il explique nous un des affaires. Il dit, et alam, connaît que, ان الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته الاختلاط بالناس quand on vit en congrégation en société avec Benjamin la façon qui m'ont expliqué comme Imam an-Nawawi dit de sa façon qui m'ont expliqué là هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ça c'est la façon choisie qui Rasulullah صلى الله عليه وسلم lui-même t'a adopté les mêmes qui pratiquaient ça. Tout ce qu'il nous dit là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même lui fait montrer nous ça, et quand il montre nous ça, lui-même lui fait pratiquer. Wa sa'irul anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alayhim. Et ensemble, tous les autres prophètes font faire pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes salawatullahi wa salamuhu alayhim, ils ont tout fait faire comme ça. Donc c'est simé man prophète. وكذلك الخلفاء الراشدون اي سيمه دو بن خلفاء الراشدون دونك خلفاء الراشدون سي بن كاليف كي فين كونتين ليد ليتا اسلاميك ابري رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك انا كات كاليف بيان غيدي سيدنا ابو بكر عمر عثمان ابيك علي عليهم الرضوان ومن بعدهم اي سكن فين ابري زوت من الصحابه parmi les sahaba wa tabi'in parmi les tabi'in donc sahaba c'est ban qui vivent dans l'époque rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui trouve rasoul sallallahu alayhi wa sallam même un petit moment et qui finit molo iman ban tabi'in c'est ceux qui vivent ils trouvent ban sahaba et finit molo iman et wa man ba'dahum min ulama'i al muslimin wa akhyarihim et ban qui vient après eux parmi les ulama de ban musulman et ban akhyar ça veut dire ban meyajimun parmi les musulman. Donc Imam al-Nawawi là-dedans il peut montrer qu'il y a façon pour faire ikhtilat avec ce monde-là. C'est façon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de tout ban prophète alayhi wa sallam, de tout ban khulafa rachidoun, de tout ban ulama, de tout ban l'époque qui venait. Wa huwa madhhabu akthar at-tabi'in. Et ça c'est mazhab de l'école de pensée de ban majorité de ban tabi'in wa man ba'dahum.
Et Ibn Jimoun qui vient après. Donc, pas oublier qu'Imam al-Nawawi, il vient à l'époque qui est avant. Donc, quelques siècles avant, plusieurs siècles avant. Et donc, c'est l'époque qui est plus rapprochée que nous de l'époque Ban Tabi'in. Wa man ba'dahum. Wa bihi qala al-Shafi'i wa Ahmad. Et ça même qui, Imam al-Shafi'i et Imam Ahmad, rahimahum Allah, finjia, donc Imam de l'école de pensée. وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين أي majorité parmi les فقهاء رضي الله عنهم أجمعين. Alors qui fait dire ça? Parce que là il y a une masla qui est implicite là-dedans, c'est que nous n'avons de quelque chose. N c'est ça veut dire al-uzla, ça veut dire un djimoun l'héritier à lui-même, comme on a trouvé dans un hadith précédent, avec là al-ikhtilat, les mélanges avec djimoun, les vivent avec djimoun, lesquels plus bon, lesquels en a plus beaucoup fazilat, lesquels meilleurs. Alors, ben, ulama, nous, peut-être, nous pas vous poser, nous, sa question-là. Mais, ben, ulama, fin pose sa question-là, et finena, ben, fatawa, l'ola, finena, ben, hukm, l'ola. Alors, c'est pour ça qu'il peut dire, qu'il y a une majorité, ben, ulama, je veux dire, qui, les meilleurs pour faire ikhtilat, qui pour faire ozla. Les meilleurs pour faire ikhtilat, pour vivre en congrégation avec ben djimoun, qui pour faire ozla. Et il y a certains dans les autres, une minorité, qui disent qu'il est meilleur pour faire ouzla, qui est ikhtilat. Mais pour nous, il n'y a pas fait la différence. Alors, la majorité, il y a des ulama qui disent ça aussi. Quand ils disent ça, c'est la meilleure, ou soit qu'ils disent l'autre, c'est la meilleure, je dis ça bien souvent dans mon contexte. Donc, il y a certaines situations côté ikhtilat meilleur, et il y a certaines situations côté ouzla meilleur. Donc, ça, c'est une discussion dans les ulama. Pour nous, nous pas pour rentrer là-dedans. Alors, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il cite un ayat du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Et entre les autres, le al-birr, le bien, kamal al-khayr, et al-taqwa, vin aide chacun en l'autre, le al-birr avec al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, et n'a pas aidé eux-mêmes, n'a pas fait entrer dans les autres pour faire le mal, pour faire le péché, et pour faire poussem. Al-Udwan, ça veut dire l'ennemité en Dieu. Donc, il y a l'autre formule dans le Coran pour faire l'entraide. Et ça, il implique l'ikhtilat. Wal-ayatu fi ma'ana ma dhakartuhu kathiratun ma'alouma. Et ben, ayat qui est là-dedans, dans ce qu'ils m'ont dit, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, dit, il est beaucoup et il est bien connu. Donc, il n'y a pas de site dans le hadith qui fait parce qu'il y a un hadith qui sortit dans différents ben, chapitres. Les ici n'ont envie de faire concentrer de tout ce bon élément-là. Montrez-nous qui quantité est important pour faire tilat. Alors, l'autre chapitre, c'est 71. Babu at-tawadu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. Un chapitre, l'eau at-tawadu'i. Tawadu'i veut dire l'humilité. Un djimoun lui montrait modestie, lui montrait l'humilité. C'est les contraires de al-istikbar, les contraires de takabbur. Takabbur, comme on nous connaît, c'est l'arrogance. Un djimoun lui donne les mêmes grandeurs. Alors, sur les contraires, c'est at-tawadu'. Et c'est ça que l'islam montre, nous. At-tawadu', donc l'humilité. Wa khafd al-janah. Khafd al-janah veut dire que, si on traduit littéralement, c'est ramasse les ailes. Quand un djimoun lui ramasse sur les ailes, ça veut dire qu'il ferme sur la mêlée. Les mêmes al-janah, pour nous, c'est nos bonnes côtés. C'est une expression pour montrer qu'un djimoun lui montre la modestie, lui descendre lui-même dans un niveau, lui humilier lui-même, lui montrer lui humble envers, et lui montrer lui humble avec compassion, humilité avec rahmat envers ben djimoun, donc l'île mu'minin envers ben mu'minin. Alors il y a plusieurs ayats du Coran qui Imam al-Nawawi fin cité, nous prend un là-dedans, après ben les autres jours nous vous prend ben les autres ayats du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit wakhfid janahaka lil mu'minin. Et donc ça khafd al-janah lil mu'minin, les sorti dans le Coran qui Allah dit waqfid janahaka lil mu'minin, et baisse les ailes, donc et renferme toi même l'autre côté, ça veut dire montre-toi humble et avec compassion, montre-toi humble et miséricordieux envers ban mu'min, envers ban djimoun kena iman. Alors hadith pour aujourd'hui, c'est hadith 602. Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Iyad ibn Himar radiyallahu anhu, un sahabi, قال لفنجية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجية إن الله أوحى إلي certainement الله فين غفل لو موا أوحى إلي بجاء غفل لو موا donc فين فى وحي et وحي فين dans différentes façons. وحي فين dans façon dans forme Coran. الله سبحانه وتعالى وجبريل avec آية Coran, ça c'est وحي.
Wahi, il vient dans les autres façons encore. Par exemple, il inspire Rasulullah à travers un rêve. Il inspire lui à travers les autres moyens qu'il ne pas connaît. Donc là, Rasulullah gagne l'information depuis Allah et qu'il communique avec nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme Allah dit dans le Coran, surah Al-Najm, « Wa ma yantiqu an al-hawa » Il n'est pas cause d'après ce qu'il y a envie. Al-hawa, c'est un dimoun, ce qu'il y a envie d'après sa passion. Il n'est pas cause d'après ce qu'il y a envie. In huwa illa wahyun yuha. Certainement, ce qu'il dit là, c'est une révélation, ça, qui Allah fait une révélation. Ou soit c'est Coran, ou soit c'est une révélation d'une autre façon que Allah porte à ça avec nous. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah awha ilayya. Certainement, Allah fait une révélation au moins. Qui An tawadou qui ça veut dire au bandimon montrez autres humble montrez at tawadou hatta la yafkhara ahadun ala ahad afin que personne parmi eux n'ait pas montré al fakhr c'est la fierté. Donc c'est une autre forme l'arrogance encore. Un dimon les sentit fier pour une quelque chose qui est là, donc les mettent li loin l'autre niveau comparé avec les autres. Pour qu'il personne ne fasse fakhar envers les autres. Wala yabghiya ahadun ala ahad. Et qu'il personne n'a pas transgressé les autres. Quand un djimoun li pour faire fakhar les autres, il peut transgresser ban les autres, l'alem qui li pour prend droit ban les autres. Donc ça c'est l'autre formule. Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah fin révèle l'oli qui au ban djimoun n'a pas fait l'arrogance. Fait tawadu'a. Alors, il y a beaucoup de façons que Dieu fait l'arrogance. Ça, c'est une maladie. Première affaire qui nous reconnaît, qui nous besoin mettre dans nous la tête, c'est que ça, c'est caractéristique, Shaitan, Iblis. Ça même qui finit faire livre, il maudit comme il était là. Parce qu'il lui montre l'arrogance. Qu'il lui dit, Ana khayrum minhu. Quand Allah dit, il fait sijda devant Adam, alayhi salam. Ana khayrum minhu, il dit. Moi, mon meilleur qu'il est. Fin créer moi avec du feu, fin créer lui avec la terre. Il prend sa différence là, il montre takabbur. Alors que nous, musulmans, nous montrons les contraires. Tawadu. Alors, Imam Abu Yazid al-Bistami, nous connaissons plus communément Ba Yazid Bustami. Un grand, parmi un grand dans Tasawuf et dans la culture islamique. Alors, lui, Bandimundi, comment nous connaissons qui ça dit mon là, ça qui est un tawadu dans lui? Les dire un djimoun qui n'y pas trouve aucun maqam pour donner lui-même. N'y pas trouve aucun grade pour donner lui-même, pour attribuer à lui-même. Qu'est-ce nous trouver dans un djimoun, je t'attribue à même mon grade. Alors un djimoun qui n'y pas trouve aucun valeur pour lui donner lui-même. Et quand il pensait, il trouvait qu'il lui-même plus mauvais djimoun dans la terre. Il trouvait qu'il lui-même plus mauvais djimoun dans la terre. Ça, t'as ça ouf, ça. Alors ça, c'est un niveau que besoin faire cheminement pour arriver vers ça. Vous trouvez beaucoup de monde qui pratique din. Quand on peut guetter, il pratique din. Il peut faire son namaz, il a son long labob, il peut lire son Coran, mais seulement il peut na tasawuf dans lui. Ça aime sa spiritualité profonde. Vous trouvez ça dans le livre là, il amène nous vers ça. Quand nous peut guetter ça là, un djimoun n'y peut aucune valeur pour donner lui-même, et quand il pense lui-même comme un plus mauvais djimoun. Mais là, nous tout qui assise là, nous fait là. Alors il a un peu simé pour nous faire là. Ça, c'est le chemin de l'excellence. Là, nous pouvons trouver qui s'assimile là. Allez, nous pouvons arriver. Au moins, premier pas, nous réaliser qu'il y a une maladie dans nos l'équerre. Et dans beaucoup de monde, nous pouvons trouver les pratiques dignes bien, mais c'est mal, il y a un cancer dans son l'équerre qui peut finir sur bonne action. Et là, vous pouvez trouver qui Allah protège nous. Dimon là, dans le tribunal Allah, il trouvait tout ça, il fait là, il ne même rester, ou soit pas rester dans rien, ou soit négatif. Qui fait? Parce qu'il est hyper nourri par une maladie grave de sur les cœurs. Et peine pas mis là-dedans si ça t'accable là. Il est hyper pensé. Eh, maman, vous faites ça, moi? Il n'y a pas fait ça, lui. Comment Imam Abu Hanifa, rahmatullah, il est encore petit. Son papa, les autres pour faire tahajjud, il levait pour faire tahajjud. Son frère, encore, peut dormir. Finalement, il sentit, lui, eh, maman, mon frère, il dit pas, maintenant, encore, peut dormir. Son papa dit, ce qui te dit là, préfère que tu restes dormi. C'est pas tu fais toi ici. Donc, qui s'est tient du monde pour faire ibadat, mais après, il peut faire un fakhar là. Eh, moi, je fais namaz, ça n'a pas de faire. Ça, ben, jugement là, pas nous domaine, ça. Nous sentons, nous pas connaissons si Allah a accepté, nous espérons nous faire droit avec lui qui a accepté ce qu'il nous fait.
Mais ça, l'arrogance-là, nous avons tiré, nous avons fait un effort, nous tirer. Alors ça, nous avons chaque fois, tous les jours, nous faire réflexion, nous assiser. Est-ce qu'il ne m'a pas pu montrer l'arrogance-là? Ça a causé qu'il m'a dit là, ou soit ça a causé qu'il ne m'a pas dit là. Ou soit même, nous réfléchir, même avant nous penser. Ça pensait qu'il ne m'a pas pensé là. Quand on trouve ça, dit là, on pense à une pensée là. Est-ce qu'il est bon là? Est-ce qu'il ne m'a pas montré l'arrogance là-dedans? Est-ce qu'il y a un tawadu là-dedans? Donc, il y a du monde qui fait tawadu avec, qui fait l'arrogance avec son argent, à cause de l'argent, avec ce statut social, qui appartenait à un autre statut social, ça n'a pas appartenu à un autre statut social, donc, il y a d'une autre façon, à cause des patrons, l'autre là, travailleur, ou soit même nos bonnes affaires qui sont aussi bêtes comme à couler la peau. Malheureusement, il est présent aujourd'hui. Il y a un complexe couleur. À cause de sur la peau, sa couleur là, l'autre là, sur la peau, une autre couleur. Il y a le racisme, qui est une maladie qui est bien grave. Et à cause d'y appartenir à telle race, l'autre là appartenir à l'autre race, il pense comme ça. Pas besoin de dire ça. Pas besoin de dire ça. Il y a beaucoup de monde qui ont le racisme dans les autres, sans qu'ils aient dit lui. Au contraire, je dis, non, il ne faudrait pas être raciste, mais c'est en dents, dans je ne pas rentrer en dents, dans le fond, pour le guetter. Racisme là, il a bâti, il a déraciné. C'est l'arrogance là, il a bâti. Et il a dit, il pas, ne serait-ce qu'il dans une famille qu'il y a pas tenir, ou soit dans une place qu'il est sorti dans l'aine. Ça n'a pas sorti tel endroit, l'autre là sorti l'autre endroit, alors ça n'a pas plus supérieur. L'autre là moins supérieur. Donc, tout ce qu'on a fait là, chacun d'entre nous, nous a fait un effort. Tiali. À ce là, ben, l'olama finit faire une différence entre deux qualités tawadoua. Un homme qui est Mahmoud, qui est bien bon, c'est un qui nous peut causer là. Nous faire tawadoua à cause d'Allah. Common sense. Nous montrez-nous humbles. À cause de quoi? Mais, un autre qui a été tawadoua, qui dit mon faire, divan ban ahlul dunya. Niyat là différent. Pas à cause d'Allah. Pas à cause de quoi? Pas à cause du monde là, il a envie de faire islah, il a envie de faire tazkiya, non. À cause de l'intérêt dunya. Montrez-lui humble envers du monde, à cause du monde là, il a pouvoir. Du monde là, pour donner un pouvoir là. À cause de l'intérêt pour gagner. À cause du monde là, il a casse, il a gagner un de ce casse là. Ou ça, ne serait-ce qu'une humilité artificielle, commerciale. À cause, client est venu, alors pour montrer, comment dire, pour faire comme un paillasson, pour faire le client est roi. Mais si, à tel un petit moment, il m'a dit en rentrer, cause une autre façon au lit. Ou soit, faire tawado vis-à-vis un monde qui a pouvoir, parce qu'il est de monde qui a pouvoir là. Et quand on gagne ce pouvoir là, à ce là, un monde qui plie en bas, m'a fait l'arrogance avec eux. Ça, souvent, nous trouvons ça. Hein, divan patron, grand patron là, comment dire, paillasson, qui a tombé dans les pieds, quand patron, il est allé, il donne un délègue pouvoir, il met ça là dans une poste, il commence à faire dominer le les autres, il commence à montrer les hautain envers les autres. Ça, tout ça, la paix n'a dans l'islam, paix n'a dans l'île, quand nous pouvons être rassoul, ça, salam, comment c'était, quand nous pouvons être, ben, khulafa, rassidon, comment c'était, sa humilité qui tient là. Alors, inshallah, dans les autres hadiths, nous allons prendre encore plus l'eau là, donc nous faire droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous tawfiq, comprend ça, ben, affaire là, nous faire tilat avec ben, du monde dans meilleure façon, comme un rassoul, ça, salam, fin montrer nous, comme un prophète, fin faire, comme un khulafa, rassidon, et comme un tout, ce ben, aulia, fin faire, et qui Allah, subhanahu wa ta'ala, tire sa maladie là, dans nous les cœurs, qui appelle takabbur, qui Allah, subhanahu wa ta'ala, met tawadu, met l'humilité dans nous, et qui Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, fait nous, vin, parmi ben, qui nous fait succès dans l'union, dans un courant. Wa akhiru da'wana, an ilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وأصحابه أجمعين